parlons de promotion de l'excellence dans cette édition. Le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara, a décoré mercredi 15 mars 2023 les agents de l'unité de recherche et de formation mathématique et informatique de l'université Félix Fouette-Boigny de Cocody. Au nombre de 41, ces enseignants, personnels administratifs et techniques ont été distingués pour services rendus. Colin Anogo, Augustin Kra. Loyauté, fidélité continue, éthique professionnelle et le sens élevé du travail bien fait. Ce sont là les valeurs incarnées par ces 41 enseignants, personnels administratifs et techniques de l'UFR mathématiques et informatique de l'université Félix Houphouët-Boigny. Des valeurs reconnues par leur hiérarchie et qui ont fait de ce mercredi 15 mars 2023 des chevaliers, officiers et commandeurs de l'Ordre du Mérite de l'Éducation nationale. Chers récipiendaires à la retraite, communiquez la ferveur qui vous anime aux plus jeunes, à qui vous apparaissez comme des modèles. Merci du cœur pour l'ensemble de votre cœur. Dans le domaine de la recherche et de la formation qui constitue un pilier essentiel du développement de notre pays. Vous êtes un modèle. Pour le ministre Adama Diawara, cette décoration est la preuve de l'engagement du gouvernement à promouvoir l'excellence en milieu universitaire, mais surtout à offrir à la jeune génération des modèles à imiter. Il s'agit non seulement de reconnaître ce qui a été fait, ce qui a été rendu comme service à l'UFR, à l'université, au système d'enseignement supérieur, à l'éducation et à la nation par ses agents, mais également il s'agit de les exhiber comme modèles aux jeunes pousses qui nous arrivent, c'est-à-dire aux jeunes enseignants et aux jeunes PAT qui viennent d'embrasser leur carrière. En plus des 41 récipiendaires, deux autres enseignants ont été décorés à titre posthume. Les médailles ont été remises à leurs familles respectives.